Let's dance, 'cause tonight we're fire. Break out, going straight to the top. Let's dance, forever we are. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight we're fire. Break out, going straight to the top. Let's dance, forever we are. Here come the new kings, here come the new. D'huile d'olive, de lait de toilette bébé ou une crème pour le corps, et de maïzena fleur de maïs. Pour commencer, vous allez mettre une dose de maïzena, une dose de colle blanche. Vous allez mélanger le tout, puis rajouter une petite cuillère d'huile d'olive et une petite cuillère de vinaigre. Là j'en ai mis vraiment trop, du coup je vais devoir rajouter un peu de maïzena par la suite. Et on va venir mélanger le tout. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma préparation 10 secondes au micro-ondes. Je mélange et je remets 10 secondes au micro-ondes et je remélange jusqu'à avoir une pâte comme vous la voyez là à l'écran. Du coup je vais rajouter un peu de maïzena parce que là elle était vraiment trop collante. Et vous allez la malaxer jusqu'à avoir une pâte qui ne colle plus aux mains. Ne mettez pas trop de maïzena parce que sinon ça marchera pas la recette et c'est un peu dommage. Donc voilà, vous allez malaxer jusqu'à avoir quelque chose comme ça. Et voilà pour cette première recette. De la conservation de cette pâte, il vous suffit juste de la mettre dans une petite poche. Première pâte, qu'est-ce que j'en pense? Moi je trouve qu'elle est super simple à faire. Tout le monde peut réaliser cette recette puisqu'on a tout chez nous. C'est que des trucs que tout le monde a chez soi, donc ça c'est plutôt cool. C'est une pâte super molléable, je pense que tous les enfants peuvent s'amuser avec. Voilà, je sais pas comment vous montrer mais elle est hyper agréable. Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près la matière. Mais elle est hyper agréable au toucher et tout, donc je vous conseille vraiment de tester cette recette parce que pour moi c'est une super recette de pâte qui sèche à l'air libre. Cette deuxième recette, vous aurez besoin de maïzena, donc de fleurs de maïs, de farine, d'eau avec un petit peu de colorant si vous le souhaitez, c'est optionnel. Commencez par mettre une dose de maïzena et la même dose de farine. J'insiste bien sur la même dose. Puis je vais prendre mon eau que j'ai au préalable colorée à l'aide de mon colorant que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et je vais venir mélanger le tout en ajoutant petit à petit de l'eau. N'ajoutez pas trop d'eau d'un coup, sinon ça va tout louper. Si vous en ajoutez trop d'un coup, comme moi, vous allez le voir tout de suite. Je vais tout simplement rajouter la même dose de farine que de maïzena. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai rajouté la moitié d'une cuillère de maïzena et la moitié d'une cuillère de farine. C'est hyper important d'avoir tout le temps la même dose parce que ça va permettre d'avoir une pâte assez agréable. Vous allez le voir par la suite. Je ne vous en dis pas trop hein, puisque le but c'est de tester. Donc si je vous dis tout avant qu'elle soit finie, c'est pas trop top. Donc vous allez bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle plus. Donc vous allez voir, une fois que je vais rajouter l'autre moitié de la cuillère, la pâte va tout de suite se décoller. Là vous allez le voir tout de suite dans quelques instants. Attention. Et voilà, donc là elle se décolle super bien, donc je vais venir la mettre sur mon plan de travail et je vais venir travailler ma pâte jusqu'à avoir une pâte qui ne colle plus au doigt. Voilà ce que vous devriez obtenir et pour la conserver, c'est comme la première pâte. Alors, cette deuxième pâte, vous voyez quand on la met dans le sachet un peu longtemps,
Voilà ce que ça donne, ça devient comme ça, c'est assez chelou, je vais essayer de la récupérer. Donc sachez que je vous conseille pour cette deuxième pâte de mettre un peu de quelque chose. Regardez comment elle est hyper élastique. Cette pâte je l'adore parce qu'encore une fois, super simple à faire. Et surtout ce que j'adore, c'est le fait qu'elle soit si élastique. J'adore cette pâte. Donc voilà, encore une fois, elle est simple à faire et tout, elle est molle. Et je pense qu'elle peut faire une assez bonne pâte. Mais moi je dirais pas forcément que c'est une pâte pour faire des bijoux. Celle-ci, je dirais plutôt que c'est une pâte anti-stress ou une espèce de slime parce qu'elle est assez... on peut pas mal l'étirer. Et quand on la met dans la poche, elle devient entre autres liquide. Hein, alors qu'elle n'est pas liquide. Hein. Donc moi, j'aime beaucoup cette pâte. D'ailleurs, je vais lui donner une note. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Tout simplement parce qu'elle a quand même quelques petits défauts. Assez compliqué à sortir du sac hein. Mais sinon franchement elle est super bien, moi j'aime beaucoup, c'est hyper mou et tout, enfin pour les petits enfants je trouve ça plutôt pas mal, faudrait essayer de la faire avec quelque chose de comestible parce que voilà, bon, je crois que tout était comestible dedans mais ça va pas être très très bon. Donc voilà pour ce que je pense de cette deuxième pâte. Et on termine avec cette dernière recette. Donc là, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de mon eau que j'ai utilisée précédemment, de maïzena, donc de la fleur de maïs. Je commence par mettre une dose de maïzena, une dose d'eau, donc la même dose d'eau que de maïzena, et deux doses de bicarbonate de soude. Je vais ensuite prendre un truc et mélanger le tout, donc une marise pour ma part. Une fois que j'ai bien mélangé, voilà ce que ça nous donne. Ça doit vous donner quelque chose d'assez liquide, vraiment de très liquide. Franchement, je me suis demandé comment ça allait faire. Et donc, il faut mettre le tout sur la casserole à feu doux. Et vous allez voir, regardez, là, ça commence petit à petit à se former. J'ai trouvé que c'était assez long, donc attendez bien. Moi, j'ai mis le feu sur 8 et 5. Et vous allez voir que c'est assez long quand même, mais petit à petit, ça va vous donner une genre de pâte. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. Donc attendez, moi vous allez voir que je l'ai fait trop cuire je pense, après j'en sais rien du tout. Mais pour la première fois je trouve qu'elle était un peu trop cuite. Et regardez la pâte en fait elle se forme toute seule, c'est assez ouf. Je trouve ça vraiment incroyable, vous voyez. Et petit à petit la pâte se décolle, donc quand elle se décolle ça veut dire que je peux l'enlever du feu. Vous voyez c'est hyper chelou. Alors, j'ai adoré faire ce que je fais là. Donc voilà pour cette petite pâte et je vais venir la travailler maintenant à la main. Donc je l'ai posée sur mon plan de travail et je suis venue la travailler à la main. Et franchement elle était trop dure, elle craquait partout. Voilà, c'était un gros fail, hein, autant le dire. Puisque c'est pas ce que je recherchais dans cette vidéo. Si j'aurais fait le test, je teste des techniques de faire de l'espèce de pâte sable là, je sais plus si vous connaissez, je vous mettrai une photo quelque part là sur l'écran. J'aurais totalement accepté parce que pour moi c'est ce que ça fait. Donc si vous savez pas faire de l'espèce de pâte sable, bah c'est cette recette hein. Très clairement quand je mets dans la main ça devient compact, hop. Et après bah, ça devient du sable. Donc voilà, donc moi je dis que cette recette marche pas. Mais je pense que j'ai fait trop cuire la pâte. Et je pense que si j'aurais fait moins cuire, ça m'aurait peut-être donné une pâte à voir, à tester.
n'hésitez pas à tester. Mais du coup j'ai trouvé une recette pour faire de la pâte sable, donc c'est plutôt cool hein, d'un côté. Mais voilà, du coup celle-ci je vais lui mettre 2 sur 10, puisque ce n'était pas la recette que je cherchais. Donc voilà pour cette troisième pâte. Et donc voilà pour cette petite vidéo qui était je teste 3 recettes de pâte qui sèche à l'air libre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez en voir plus, à commenter, à vous abonner bien évidemment, à activer la petite cloche de notification, etc. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous aimez bien, parce que je pense continuer à tester d'autres recettes de plein de pâtes différentes. Vous allez voir ça, donc abonnez-vous pour voir toutes ces vidéos qui vont être vraiment cool je pense. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bisous!